Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, pas boy, c'est là. Pas oublier, vous êtes capable de toujours faire mouvement ça à côté que vous appuyez le bouton subscribe là ou bien abonner, vous appuyez la cloche là pour capable être connecté avec nous. Là, vous appuyez la cloche là, make sure que le sous tout pour capable avoir toute information que nous avons partagée. Avec ça qui passe là, il se trouve que finalement, ça nous est le Trump International Hotel qui trouve dans Washington à quelques 5 blocks tout près. Les Maisons Blanches, eh bien, finalement, ils ont décidé de mettre le fossile. Donc, ils ont pris le vanne. Vous comprenez bien peut-être qui ça va le vanne, parce que déjà, tu as un bon. Leur sous causé ça, parce que vous comprenez qui ça. C'est que, gros hôtel, ça, on dit que c'est un plus gros hôtel qui vient dans Washington. Monsieur utilise le fort souvent pour recevoir des diplomates de l'étranger. Vous comprenez? Ça veut dire, comme quand on a dit, que tout business l'État fait, c'est dans l'hôtel, ça le passé. Et que des gens qui disent ça, c'est contraire à l'éthique. Pour que vous puissiez utiliser hôtel ou business pour entrer comme vous. OK? Et donc, il y a plusieurs lawsuits déjà contre bagay ça. On dit son gros hôtel qui a à peu près 260 chambres à coucher. Et Donald Trump a acheté li aux environs de 2016. Tout de suite, là, en fait, tout de suite, là, il a fini de gagner l'élection. Depuis lors, eh bien, l'hôtel ça, et c'est plusieurs gros diplomates, c'est là où ils dépensent comme ça. Ça passe tout, c'est que dans l'hôtel ça, il y a des séries de monde, ça a des lobbyistes. Ça a des corporate executives, de groupes politiques. Ça a fait, eh bien, pour être capable d'attirer ces partis Trump, le plus souvent, depuis qu'ils viennent, c'est dans l'hôtel là, ils viennent dépenser. OK? Des millions de dollars. Justement, vous comprenez, vous avez dit, ils vont faire des demandes, que ce soit au pays quelconque, sous besoin d'aide, sous besoin des business. Donc, on montre que vous avez utilisé l'hôtel de Navon pour être capable de joindre des faveurs. Et il y a des groupes qui disent que c'est contraire à l'éthique. Eh bien, ils sont obligés de vendre. Ça vous comprendre, c'est qu'il y a une bonne pression qui a fait sur monsieur. Et dernièrement, nous sommes ça, dit, le fait ça, le sommet G7. Donc, sur le G7, nous connaissons le sommet pour les 7 plus grands pays du monde. Monsieur te dit, il te voulait faire dans ce resort que le gagne dans Miami, Florida. C'est là, il te fait gros sommet ça. Et en plus, le public est fâché. À mon nom, parce qu'il dit, monsieur a pas de problème avec causé, parce que l'État n'a pas business. OK? Donc, à la fin, nous connaissons que monsieur Devin Chan, il dit, il ne pas faire encore. Parce que les républicains sont vraiment mauvais. Mais c'est la même logique, ça. Tout grand pays, il dit, pas de choix. Ou obligé de vendre l'hôtel, ça. Et ça, vous comprenez la cause de ça. Tout c'est que, depuis Donald Trump, pas pouvoir, il n'a pas oublié qu'il était dans le real estate. En fait, ensemble d'hôtels que le gain, bah, il n'a pas marché. Parce que les chiffres ont montré que, eh bien, business real estate, monsieur, a descendu. Vous comprenez ça. Parce que, c'est vrai que le gain fanatique, mais il y a un bon groupe de monde qui dit que, il a plutôt dormi dans la rue. Parce que c'est. Passé, c'est pour être dominant, hôtel qui est hôtel Donald Trump, gon bon superstar, yo pas mettre pied au côté que monsieur gon bagay. Donc, l'op fait, parce que ça fait, on dit business pas mélanger avec politique. C'est ça pour nous comprendre, ok? Mais donc, il vient faire que, chiffre yon montre, malgré tout, eh bien, et l'op combine rue, c'est monsieur, que ce soit ça, monsieur gagne aux États-Unis, mais pas bien que le gagne dans le pays tout, mais yon montre que recette yon pas si bon que ça. Donc, il a diminué et monsieur reconnaît ça tout dans le discours qu'il a fait pour dire qu'il perdit en fin dans le business. Li, et parce qu'il y a des groupes de monde qui choisissent de boycotter tout ça qui gagne non trop sous lui. Donc, c'est dans ce sens-là, monsieur lui-même, pour le compenser à bagaille ça, fort souvent, il a fait des bagailles qui sont contraires avec la constitution, sa constitution dit. Okay? Donc, monsieur commence à venir rendre compte que il n'a pas fait n'importe quoi. Depuis, le pas oublié que. Actuellement, là, il y a en bas investigation pour destituer lui sous dossier Ukraine. Donc, il vient de rendre compte que, quand il y a des bagages, il va jouer avec, il faut commencer à mettre Kayo propre. C'est dans le sens pour mettre Kayo propre. Ça qui vient de faire que, eh bien, l'obliger qu'on est là pour le vendre hôtel ça, il mettait à la vente. Donc, l'hôtel ça, disons, maintenant, il a montré que, par exemple, dans l'hôtel ça, dans pile comme qui brasse, pour petit, lui simplement, 4 millions de dollars fait année que de passer là. Et on dit en tout, en fait, d'après les informations, on dit 40 millions de dollars au fait sous. OK? Année dernière, on avait dit, hôtel là, de toute façon, tu as généré quoi, mais de manière relative, il y aura un compte que business, il ne s'est pas marché. Pas bien que l'on dit, il fait 40 millions l'année dernière, là, mais l'on a lancé hôtel là. C'est à peu près 200 millions d'investissements que tu fais là-dedans. Donc, c'est ça, vous comprenez? Il a dépensé 200 millions pour rénover l'hôtel ça.
Parce qu'au départ, qui ça a été, c'était un Federal General Service Administration. C'est un building fédéral que le roman et ils ont acheté le rénover son bail qu'il a longtemps depuis 1892 à 10 et ils ont un building qui construit en 1892 à 1899 il était servi place pour post office des United States il était quartier général pour post office okay? Donc ils ont été venus acheter le rénover d'ailleurs c'est le deuxième côté qui est plus haut dans Washington non? À part Washington Monument c'est lui-même qui est plus haut donc monsieur justement, ils comprennent ça, ils commencent à mettre des voix au propre, et bien finalement, ils ont décidé, fuck, ils ont tiré le business à la main, parce que pour plusieurs raisons, ils ont leur sous cap attaqué, et ils ont capé d'y parce que ils ont dit, ils ont utilisé le toit pour lobbyistes, pour des séries de monde cap pral dormir pour la donner pour jouer une faveur, des séries de diplomates cap utilisé, donc finalement, ils ont gagné pour Yovani. Au départ, il me semble que Priya, c'est près de 500 millions de dollars en pile comme qui ont mis sur ce market-là. Donc, Donald Trump qui commence à comprendre les trois bagailles et il commençait justement à pas mettre Kyle au propre. Nous avons des tabous. Nous pas tant de parler de Trump Tower, Trump Tower. Parce que nous en avons souvent. Trump Tower, son bagaille autant de souvent. Eh bien, il va le vendre là pour peut-être. Mais qu'on est, monde qui va le prendre là, il va l'obliger à changer non. Et ballon l'autre type de marketing, mais forme d'oublier, maintenant tu y as, mettez-le sous contrôle tout, on va t'avancer ça. Ici, tu vas nous bailler ça au conseil, va gagner des bails pour contrôler, est-ce qu'il va gagner favoritisme, est-ce que c'est pas un bon bail pour qu'il toujours dans mais on pour le cas changer, non, gagner contrôle ça tout, est-ce que c'est pas un genre fait pour changer, non, pour voir le bon monde, et puis c'est pour toujours y est, donc gagner tout contrôle ça, et c'est pas un bagage qui va le vendre facile en pile contrôle, nous te voter update ça pour, pas oublier de brancher et rester connecté par le site là avec nous. Parce que nous-mêmes, nous pouvons porter des informations pertinentes, ça qui a passé aux États-Unis, mais tout, ça qui a passé là, quand nous, en Haïti. Portez-nous tout bien.